allons juste aller avec la batterie qui va me donner le rythme. Et sur le même exalté, je vais écouter vos acclamations au Christ. Après cela, je viendrai ici et nous écouterons vos acclamations. Je ne jugerai pas, mais vous jugerez de vos mains qui a plus acclamé pour son papa. 1, 4, 5. Je vous écoute. Je vous écoute. Je vous écoute.
te rendre la gloire ce soir. Seigneur, nous voulons célébrer ta sainteté. Commence à parler à ton Dieu ce soir. Je suis toi, Jésus. Je suis toi, Seigneur. Thank you.
Je suis
notre nom au-dessus de tout. Et lorsque nous venons dans sa présence, nous le sommes. Nous laissons le titre à la porte. Et nous sommes comme des fils devant son trône. Et l'Éternel entend la voix de celui qui l'attend véritablement. Il dit dans sa parole, chez de vrais adorateurs, qui l'adoreront en esprit en vérité. Et lorsque nous l'adorons, sa gloire descend sur nous. Et lorsque nous l'adorons, son esprit descend sur nous. Mais on va le chanter comme une prière ce soir. Alléluia. J'aimerais que là où tu es simplement, tu fermes les yeux en quelques minutes. Et ce moment qui est intitulé mon témoignage, pendant que tu fermes les yeux tout doucement, tu vas dire Seigneur, je ne sortirai pas d'ici sans un témoignage pour la gloire de ton nom. Autour de moi, ce qui te calme et prospère. Tout autour de moi, ce qui t'ira prospère. Tout autour de moi, ce qui te rejette prospère. Seigneur Jésus. Jésus, tu me l'as promis, papa, par toi.
Du ciel qui a besoin de rencontrer les hommes sur la terre,
c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu façonne la vie des hommes. Et la gloire de Dieu voudrait certainement rencontrer la destinée. Amen. Amen veut dire tu es d'accord. Est-ce que tu es d'accord que le Seigneur rencontre la destinée? Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Alors, si tu peux, rejoins-moi dans le livre de Jean 17, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, tu vas m'efforcer à lire le texte rapidement. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, Père, l'heure est venue. Quelqu'un dit avec moi, Père, l'heure est venue. Et il dit par la suite, glorifie ton fils, afin que ton fils te glorifie. Voyez-vous, toute personne qui connaît son droit en termes de lien et d'attachement et surtout d'alliance avec Dieu, l'accord qui peut exister entre Dieu et une personne conduisant Dieu à intervenir dans sa vie, cette personne doit savoir inévitablement que ce qu'elle doit recevoir de la part de Dieu s'appelle sa gloire. Amen. Et donc Dieu est celui-là qui voudrait nous communiquer sa gloire. Le mot gloire signifie pas mal de choses, mais je veux que tu retiennes ce soir une seule définition. La gloire, c'est quelque chose qui brille, quelque chose qui attire l'attention des gens et quelque chose qui ne passe pas inaperçu. Par exemple, le soleil brille, c'est une forme de gloire. Et donc, ce qui est glorieux suscite forcément l'admiration et le regard des autres. Ce qui est glorieux ou ce qui a reçu la gloire devient automatiquement un modèle ou un moyen par lequel on peut aussi atteindre un but dans le bon sens, bien sûr. Jésus dit au verset 2, il dit, selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Verset 3, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Quelqu'un dit vraiment, or la vie éternelle. C'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'aimerais que tout bon et tout vrai chrétien puisse retenir le verset 3. Parce que pour la plupart des messages qu'on a entendus concernant l'évangile prêché, la bonne nouvelle, la parole de Dieu, on a tout le temps eu cette conception de croire que la vie éternelle, c'est quand nous allons, après la mort, rejoindre Dieu, être quelque part. Non, c'est une grosse et grave erreur. Jésus dit dans ce texte qui est très fort, très puissant, il dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Ça veut dire que toi qui es là, dès l'instant que tu as fait le choix de connaître le seul vrai Dieu, la vie éternelle a commencé pour toi. Cet amen ne ressemble pas à quelqu'un qui ira aussi. Et ça semble ne pas être une bonne nouvelle pour quelqu'un d'entendre que Dieu lui donne la vie éternelle. Dis à ton voisin, la vie éternelle doit te donner du sourire. Dis, recevoir la vie éternelle doit te donner la joie. Quelle autre vie pourrait nous donner le bonheur si ce n'est la vie éternelle? Et cette vie-là, le Seigneur dit qu'elle commence dès le jour où on connaît, on entend parler de Jésus. Voyez-vous pourquoi le diable combat le fait que le nom de Jésus soit entendu? Parce que tellement que quelqu'un entend, le processus de la vie éternelle commence. La vie éternelle ne commence pas quand on va au ciel. La vie éternelle commence sur la terre. Et tu es là, tu m'écoutes. Si tu as fait le choix de te connecter au Seigneur, tu es déjà dans la vie. C'est une nouvelle merveilleuse. C'est là la contemplation de la parole de vérité. Celle qui nous libère, qui nous affranchit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, cette vérité, elle vient à toi ce soir. Parce que Dieu t'a donné de connaître Christ, Jésus, la vie éternelle, tu la commences déjà sur une terre. Lorsque tu vas à tes occupations, tu es dans la vie éternelle. Amen. Lorsque tu vas sous la douche, tu es dans la vie éternelle. Lorsque tu te revêts de tes vêtements,
et que tu déambules même dans ta maison, tu es dans la vie éternelle. Ce n'est pas lorsque tu iras au ciel. Et c'est ce qui engage l'action de l'Esprit dans ta vie. Et je vais terminer parce que le témoignage qui vient de Dieu est la conséquence de l'impact de la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un a entendu ce que je dis? Pour la plupart d'entre nous, nous croyons que le témoignage, c'est « Ah, le Seigneur m'a visité, il m'a donné 100 000 francs, gloire à son nom !» Le Seigneur, et il a permis que je me marie cette année, quand toutes mes attentes, vraiment, ça a été un mariage pompeux, gloire à son nom. Non, le témoignage qui vient de Dieu te conduit dans l'éternité. Je n'ai pas entendu ton arrêt. Amen. Ne sois pas étranger à la parole de Dieu, en te privant de répondre par un amen. Alléluia. Amen. Alors je vais rapidement terminer ces quelques petits propos dans le texte principal qui a été inspiré, bien sûr, par le Seigneur à nos jeunes frères. Dans le verset 6 de 1 Jean 5. 1 Jean 5, verset 6. C'est lui, quelqu'un dit avec moi, c'est lui. C'est lui. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Bienvenu. Avec de l'eau. Et du sang. Non pas l'eau seulement. Mais avec l'eau. Et le sang. J'aime bien ces détails. Vous savez, parfois les gens ne lisent pas la Bible et les Saintes Écritures avec un esprit de sagesse et de révélation, comme Paul a dit en Éphésiens 1, verset 17. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous connaissiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Donc il y a un appel auquel le Seigneur nous destine chacun, afin que nous puissions prier dans la gloire de Dieu, mais rattachés à la révélation que nous avons de la parole de Dieu. L'éducation qu'un chrétien a le mène à un certain niveau de hauteur en fonction de l'impact de la révélation de la parole de Dieu dans sa vie. Amen. Psaume 139, verset 130 dit la révélation de tes paroles est claire, vous voyez. Donc, quand Dieu relâche la révélation, elle te fait sortir de l'ombre, du noir. Chez les Hébreux aussi, les ténèbres signifient la confusion. Donc, tu étais confus, tu avais un manque de connaissance, la révélation vient et elle te donne de sortir du manque de connaissance qui est généralement la source de destruction de tout enfant de Dieu. On peut périr par manque de connaissance. Alors, il dit ici, c'est lui Jésus qui est venu avec de l'eau et du sang. Non pas avec l'eau seulement. Il précise non pas avec l'eau seulement parce que la plupart des chrétiens croient que quand tu te fais baptiser d'eau, tu es déjà un candidat pour la restauration et la visitation divine. Ça ne suffit pas. Il faut l'eau qui est l'aspect du renouvellement. Puisqu'au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux, Genèse 1, verset 1, en descendant. Puis Dieu dit que la lumière soit la lumière fut l'eau. Dieu a l'habitude de fonctionner et d'opérer avec l'eau. C'est tout un mystère. Et donc l'eau est un symbole spirituel de la régénération. Beaucoup d'enfants de Dieu ne savent même pas que les mystiques utilisent aussi l'eau. Souvenez-vous, dans nos familles respectives, au niveau des villages, parfois nous avons les doyens dans les villages qui versent de l'eau au sol et qui parlent à la terre ou qui parlent aux esprits. Et donc l'eau est un symbole de régénération, est un point de contact spirituel pour laisser intervenir une entité spirituelle. Mais Jésus dit qu'un chrétien n'a pas besoin seulement d'eau. C'est vrai, l'eau fait partie de l'œuvre importante de l'esprit, mais pas seulement l'eau. Il faut aussi le sang. Il faut être en contact avec le sang. Est-ce que quelqu'un est prêt à la révélation qu'il va relâcher maintenant? Amen. Quand on dit le sang, on n'est pas en train de parler naturellement du sang de bouc ou de mouton ou d'animaux, non. On parle du sang de Jésus. Mais le sang de Jésus a coulé à une seule époque, 2000 ans environ en arrière, au mont Golgotha. Et donc ce sang-là doit être actualisé dans la vie des enfants de Dieu. Suivez-moi bien. Le sang de Jésus a coulé parce qu'il a été relâché la dimension sacrificielle. Donc ici, le sang parle du sacrifice. Ici, quand on dit l'eau, qui est le baptême, au travers duquel le Seigneur te donne d'avoir accès à la nouvelle naissance, à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est exactement cela. Mais le sang actualisé dans ta vie, à travers la vie sacrificielle que tu engages à cause de la présence de l'Esprit en toi. Donc, comme Jésus, tu te sacrifies. Beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas que la vie chrétienne ne nous offre pas seulement que le bonheur.
La vie chrétienne nous offre aussi les défis, nous offre aussi les pleurs. Je ne veux pas être l'homme de Dieu qui dit de fausseté ou qui fait miroiter les gens concernant la vérité de la parole de Dieu. Non. La Bible a dit dans le livre de Job 5, verset 7, l'homme est né pour souffrir comme une étincelle est né pour voler. Donc, pas besoin de croire que le bonheur seulement te sourira. Non, la souffrance aussi viendra. D'ailleurs, la souffrance fait partie du gage de la bénédiction et de la confirmation de l'élévation. J'ai pas entendu ton appel. Exemple. Une femme stérile qui demande, Seigneur, donne-moi un enfant. Lorsque Dieu lui donne un enfant et qu'elle commence à développer, premier mois, deuxième mois, troisième mois, huitième mois, elle commence à marcher de manière bizarre. Il est colossal comme moi. Mais pourtant, c'est la bénédiction. Et quand il s'agira d'aller aussi au neuvième mois ou peut-être à terme, lorsqu'elle sera en train de pousser, imaginez toutes les souffrances, imaginez la déchirure, la bénédiction prend garde de la souffrance, même pas la facilité. Dis à ton voisin, c'est à toi qui parle. Dis-lui, n'aime pas la facilité. Dis, accepte de souffrir pour réussir. La Bible a dit, si l'on fait ces choses, le bois vert arrivera-t-il du bois sec. Alors, le bois vert, Jésus a souffert. C'est toi, bois sec, qui ne vas pas souffrir. Dis à ton voisin, oublie la vie de bonheur seulement. Amen. J'espère que je ne vais pas fuir quelqu'un de la vie chrétienne. De toutes les manières, partout on souffre. Chez Satan aussi on souffre. Dis à toi, mais il préfère pour Dieu. Amen. Satan, tu vas souffrir, il va t'humilier, il va t'exposer, il va te conduire à toutes sortes de choses. Et c'est encore plus désastreux, catastrophique. Alors il dit, c'est lui, mais c'est toujours. Jésus-Christ est venu avec l'eau et le sang. Et du sang, non pas l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et par la suite, il dit, et c'est l'esprit qui rend témoignage, vous voyez. Voici un autre élément que je vais partager avec vous qui est très important. Ça m'a pris environ 8 à 9 années de ma vie chrétienne pour vraiment appréhender ça. Donc, fais attention à ce que je vais dire. L'importance souvent de la parole d'un père. Pourquoi les gens n'ont pas un père à une bibliothèque? C'est parce que ces expériences lui ont donné de cumuler tout un savoir. Et quand tu as accès à une information qui a été le niveau d'expérience d'une personne, c'est qu'elle a mise comme peut-être 5 ans, 6 ans, toi en peut-être 30 minutes, tu peux appréhender et réussir à faire ce qu'elle a pu faire en 7 ans, 8 ans. C'est pourquoi c'est précieux d'écouter un père. La Bible dit, un fils sage écoute l'instruction de son père. Écouter un père ne rétale pas, au contraire, ça te propulse, ça te donne de gagner du temps. Dis amen si tu es d'accord. Amen. Alors de mon expérience, ici, vous réaliserez, il dit, et c'est l'esprit qui rend témoignage. Beaucoup d'enfants de Dieu ignorent ce qu'on appelle la chronologie évolutive de la manifestation des œuvres de Dieu dans notre vie. Avant d'aller au CER, il faut avoir d'abord fait le CPR minimum. Ensuite le CPE. Et ensuite tu pourras comprendre ce qui est enseigné au CER. Si tu veux être tout le désir, crie, demande à Dieu, Seigneur, tout mon rêve, je suis au jardin, c'est vrai, mais tout mon rêve, c'est d'arriver au CER. Tu es en train de demander quelque chose qui ne va pas être avantageux pour toi. Parce que pour être au CER, il faut avoir la connaissance du CPR. Et ensuite CP2. Je ne sais pas si quelqu'un veut comprendre. Donc il y a des bénédictions qu'il faut refuser. Si quelqu'un par exemple te dit, si tu recevais peut-être 100 000, et puis tout d'un coup tu vas commencer à gérer 10 millions, il faut lui dire non. C'est vrai, c'est bon d'avoir 10 millions, mais il faut que j'ai la capacité de la gestion de 10 millions. Quelqu'un veut me suivre? Bon, je ne parle pas à tout le monde. Je parle à ceux qui ont l'esprit de révélation pour capter ce que je dis. Alors, on parle de chronologie. On ne parle pas de chat-chat. On ne parle pas de Seigneur, fais vite, tu vas me donner en même temps. Non. Aucune bénédiction ne te sera profitable si tu n'as pas la capacité de supporter l'adversité après la bénédiction. 1 Corinthiens 16, le verset 9 dit, une porte d'un accès efficace est ouverte par une opportunité, par une bénédiction, mais on dit, et mes ennemis sont nombreux. Peux-tu supporter les ennemis qui vont attirer ta bénédiction? La bénédiction est comme une manque qui est blessée, qui laisse son jus couler. Ça attire forcément les mouches. Yeah. Quand tu es béni, il y a quelqu'un qui va s'énerver autour de toi forcément. Yeah. Et quelqu'un qui va commencer à s'opposer à toi. Yeah. C'est un programme qui est déjà établi sur la terre, parce que les hommes sont dans la confusion. Les hommes sont ennemis de la compréhension des œuvres de Dieu. Donc des personnes peuvent s'opposer à toi sans raison. Parce que simplement tu es béni. Mais il y a un
processus pour que tu sois béni. Et tu dois saisir ces choses. Amen. Ici, on a parlé d'abord de l'eau, du sang. Et ensuite, on dit, et le et est très important. On dit, et c'est l'esprit, avec grand E, pardon, du Saint-Esprit. C'est l'esprit qui rend témoignage. Ça veut dire que si tu n'as pas eu l'expérience de l'eau, tu n'as pas eu l'expérience du sang, tu ne peux pas réellement profiter du témoignage que Jésus peut donner. La preuve, pour la plupart de ceux là qui courent après le miracle au niveau de l'église, c'est pas que le miracle en soi est mauvais, mais si tu cherches le miracle et que tu as le miracle sans être converti, le miracle ne sera pas ton ticket pour aller au ciel. Quelqu'un ne m'a pas saisi. Voilà pourquoi aujourd'hui l'église est dans l'euphorie. Les gens se ruent dans les programmes, dans les veillées de prière, dans les rencontres comme celle-ci, parce qu'on est désireux d'avoir un miracle. Mais que sert un miracle si tu n'as pas la capacité de conserver ce miracle? Qu'est-ce que ça c'est? Ça servira à quoi? Voilà pourquoi j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Je vais parler à chacun de vous comme un frère en Christ, à une soeur en Christ. Je ne vais même pas te parler comme un père. Je ne vais pas te parler comme un pasteur. Je vais te parler comme un frère en Christ. Frère, soeur. La Bible dit en Genèse 15, verset 1, Dieu qui parle à Abraham, il dit, je suis ton bouclier et ta récompense. Et ta récompense. Je suis d'abord ton bouclier et ta récompense. Ça veut dire que ne cherche pas la récompense, ne cherche pas la bénédiction si tu n'as pas d'abord le bouclier. Parce que tu vas avoir la récompense, mais tu n'as pas le bouclier qui assure ta sécurité. Dès lors qu'un homme plus fort que toi viendra, mais il te déstabilisera la minute pour répondre la bénédiction que tu as pris le temps à construire, à bâtir, à chercher. Combien sont ces chrétiens qui aiment la vie d'euphorie? Je veux mon miracle aujourd'hui, il va des mecs aujourd'hui, après des mecs aujourd'hui. Mais aujourd'hui, es-tu en sécurité? Quand la Bible te parle de l'eau, c'est un premier indice de sécurité. Quand la Bible te parle du sang, c'est une identification de sécurité. Et ensuite, le couronnement vient par l'œuvre de l'Esprit qui te donne un témoignage. Amen. Le témoignage est la parole révélée d'un témoin. Mais tu es témoin de quoi? Ce n'est pas une question de « Oh Seigneur, je veux un témoignage. » Vous savez, si nous avons un Dieu comme le nôtre, c'est parce qu'il veut nous enseigner à pérenniser ce que nous sommes et ce que nous avons. Yes. Notre Dieu est un Dieu qui détient le mystère de la vie éternelle. Ça veut dire qu'après, ensuite, il est le même. Hébreux 13, verset 8, Jésus-Christ est le même. Yeah. Aujourd'hui, éternellement. Ça veut dire que ce que Dieu veut que tu puisses obtenir dans cette expérience avec lui, si tel est le cas pour toi, tu dois apprendre à conserver les valeurs et à évoluer avec la capacité de voir son témoignage refléter la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Amen. Et l'Esprit ne te donnera pas ce témoignage dont ce texte parle si tu n'as pas réellement fait l'expérience de l'eau et du sang. Regardez la suite, je termine. Il dit, c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Voyez. Ouais. La vérité est le ciment de la manifestation de la révélation de Dieu. Vous ne pouvez jamais recevoir une œuvre révélée de Dieu si elle ne se fait pas dans la vérité. Dieu ne bâtit rien dans le mensonge. Dieu ne veut pas que tu donnes l'impression aux gens du quartier que tout va bien alors que tout va mal. C'est vrai qu'on prend pour référence la femme tsunami dans la Bible. Oh, l'enfant est mort, le mari demande, alors qu'est-ce qui se passe? Elle dit tout va bien. Mais tout va bien, on ne peut pas dire tout va bien si on n'a pas une arme comme la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et la parole elle-même était avec Dieu et elle était Dieu. Et Dieu est esprit selon Jean 4, 24. Alors l'esprit qui rend témoignage ici, c'est la parole révélée dans ta vie. Amen. Tant que cette parole n'a pas pris le soin de s'imprégner dans ton quotidien, tu ne peux pas obtenir réellement le témoignage qui va te mener à la vie éternelle. Laisse-moi te choquer en te disant, rendre témoignage de Dieu, ce n'est pas
j'étais malade, j'étais guéri. Alléluia. Bra, bra, bra. Amen. Sinon, des gens qui détenaient des records de miracles. Quand on dit miracle, record de miracles, quelqu'un comme Lazare. 4 jours dans le tombeau. Quelqu'un dit non, où est passé Lazare après la résurrection? Parle à ton voisin, demande-lui, où est passé Lazare? Dis-nous où est le frère Lazare? Se réunissent dans la chambre pour recevoir la chose, l'être le plus important, le Saint-Esprit. Le nom de Lazare n'est pas cité depuis Jean 11 jusqu'à l'Apocalypse. Pourtant, Jean, Lazare a eu un miracle fracassant, il a eu un miracle en paix, il a eu un miracle glorieux, il a eu quelque chose qui a fait couler la tache d'homme. Si à cette époque il y avait Facebook, vous verrez Lazare sur Facebook avec des gens en train de faire des selfies pour dire ouais, c'est moi le gars. Moi j'ai été ressuscité le 4e jour par Jésus. Il est venu, il m'a dénié et il ferait le buzz. J'ai entendu quelqu'un dire, si à l'époque de Moïse, il y avait Facebook, ah, ça allait tuer sur la route où la main était brisée. Les gens allaient faire 5 filles pour eux. Et puis m'envoie un aquarium, un poisson passé, puis ils sont étonnés, 5 filles. Notre monde est un monde terrible aujourd'hui. Mais où est passé Lazare, frère? Lazare a eu un miracle qui bouleverse même tes attentes. Peut-être que durant toute ta marche de vie sur terre, tu n'aurais pas expérimenté une telle dimension de miracle. Vous voyez, le miracle n'a pas donné à Lazare de faire partie des 120 disciples. Alors ne va pas à l'église seulement pour chercher le miracle. En fait, je vais redéfinir le miracle pour toi. Le miracle, c'est la connaissance et la rencontre de la parole qui te donne du fruit dans ta vie à partir de l'œuvre de Jésus-Christ. Et c'est cette parole qui est esprit qui produit le témoignage. C'est ce que le texte dit. Et l'esprit rend témoignage. Est-ce que tu laisses l'esprit de Dieu rendre témoignage à toi? Ce ne sont pas les témoignages que toi tu dis, alléluia, gloire à Dieu. Maintenant, j'avais pris ton. Depuis un moment, en tout cas, mes hommes ont poussé. Oh Seigneur, gloire à Dieu. Et puis tu pleures. Oh, le Seigneur a fait tant de merveilles pour moi. Je dis qu'il y a trop de folklore, il y a trop d'euphorie dans l'église aujourd'hui. Et vous savez, moi, je vais faire une grosse parenthèse et c'est sûr que ça va choquer. La famille à laquelle tu appartiens détermine la destination là où tu iras. L'éducation spirituelle que tu reçois fera de toi un grand homme, une grande femme ou bien une personne d'un certain niveau. Il faut faire attention à qui tu prêtes tes oreilles. C'est pas parce que tu as accès à Internet que tu dois tout écouter. La foi vient de ce qu'on entend, mais la malédiction aussi peut venir de ce qu'on entend. Les doutes peuvent venir aussi de ce qu'on entend. La peur peut venir de ce qu'on entend. Je ne te parle pas ce soir. Ah, tu es tellement choqué que le Amen a pris ses congés. Alléluia. Amen. Est-ce que ce que tu entends te fait plaisir? Amen. Est-ce que ça ouvre l'esprit? Amen. Est-ce que ça te donne de mieux à donner ce soir? Quelqu'un va dire avec moi, et cet esprit qui rend témoignage. Et c'est l'esprit qui rend témoignage. Je veux vous entendre. Et c'est l'esprit qui rend témoignage. 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 Parce que l'esprit est la vérité. Parce que l'esprit est la vérité. Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité est la transition entre le chemin que tu engages dans la voie de Dieu et la vie à laquelle il te destine. Tu m'as pas saisi. Je dis, la vérité, si tu remarques bien, la vérité, c'est au milieu. Chemin, vérité, vie. Donc la vérité est le lien entre le chemin que Dieu te donne d'engager, la voie par laquelle il te permet de passer, et la vie à laquelle il te destine, c'est-à-dire ton lendemain, ta destination. Jésus, dans Jean 17, faisait en fait une prière bilan, pour ceux qui ne savent pas. Il est en train de dire au Seigneur, j'ai accompli ton œuvre, voilà, c'est pourquoi glorifie-moi maintenant. La plupart d'entre vous, vous demandez la gloire de Dieu sans avoir vécu une expérience. Jésus a fini d'accomplir ce que le Seigneur lui a donné de faire, avant de réclamer sa gloire. Toi, tu n'as rien commencé, tu dis, Seigneur, glorifie-moi. La gloire de Dieu te donne de passer par des expériences. La gloire de Dieu va te, je vais te choquer, la gloire de Dieu va te conduire à faire 10 jours de jeûne. Amen. La gloire de Dieu va te conduire
nous parfois à t'isoler, à décider comme Daniel de ne pas manger la même nourriture sacrifiée aux idoles que les autres du peuple d'Israël étaient en train de manger déportés à Babylone. La gloire de Dieu va te faire penser à quelque chose que les autres n'ont pas pensé. La gloire de Dieu peut te donner de t'habiller différemment. La gloire de Dieu va te permettre de cacher ta nudité et d'exposer la gloire de Dieu dans ta vie. La gloire de Dieu va te permettre de te sanctifier davantage. La gloire de Dieu va te conduire à aimer la parole de Dieu. La gloire de Dieu te donne de t'engager dans un processus. C'est un chemin, c'est une marche. Le psaume 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. La vie est une marche. Pourquoi une marche? Parce que nous devons évoluer. Tu n'as jamais prié ni jeûné pour que tes dents poussent. Tu n'as jamais prié ni jeûné pour que tes cheveux poussent. Tu n'as jamais prié pour certaines choses. C'est la loi de l'évolution. C'est une marche. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Regardez bien. Après la marche, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Ça veut dire que la manière dont tu es en train d'essayer de voler dans ta vie peut te regarder. De la marche, tu peux t'arrêter et après tu peux t'asseoir. Pendant que les autres sont en train d'évoluer. J'ai ma main levée et je déclare que rien ne stoppe ta marche sur la terre au nom de Jésus. Que ni les œuvres des ténèbres ne viennent stopper la merveilleuse œuvre que le Saint-Esprit a commencé dans ta vie au nom de Jésus. Parce que tu as décidé que ton cœur soit tout entier à Jésus. Vis ton expérience avec Jésus. Vis cette expérience. Si tu es ici comme mon fils vient de le dire tout à l'heure, Jean-Michel, que tu ne connais pas le Seigneur, que tu n'as pas eu à expérimenter les eaux du baptême, il est temps pour toi. La Bible dit, celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Ce n'est pas une histoire d'aller à l'église, fire, fire, miracle. Non, il faut passer par le processus de la parole. Sinon le ciel ne te connaît pas, le ciel est étranger à toi. Affaire de Jésus là, ce n'est pas fétichisme. Fétichisme est rentré dans l'église aujourd'hui. J'espère que je ne vous choque pas. Certains peut-être de vous sont dans des assemblées, dans des églises où au lieu qu'on prêche la bonne nouvelle pour conduire les âmes à se répentir et à se convertir, on préfère vendre de l'eau, vendre pochons, pochettes, vendre placards spirituels, de débloquer de miracles, vendre parfois même oranges. Vous savez, les hommes comme nous, les gens ne nous aiment pas dans cette génération parce qu'on prêche la vérité de la parole. J'ai toujours dit que je n'ai pas besoin d'une fidèle pour pouvoir survivre. Élie n'avait pas d'église, c'était des corbeaux qui viendraient le nourrir. Un véritable homme de Dieu n'a pas besoin de la dîme et des offrandes de quelqu'un pour survivre. J'ai choqué quelqu'un. C'est pourquoi le vrai évangile n'est pas conditionné par le niveau d'offrande qu'un pasteur peut recevoir. Si tu dis la vérité, comme Paul dit, suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Dis à ton voisin, si tu n'aimes pas la vérité, c'est que tu n'as pas un lien avec le Saint-Esprit. Maintenant, si tu crois que le visage de ton voisin est froissé, c'est que lui-même était suspect il y a longtemps. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui voisin, n'es-tu pas suspect par hasard? N'es-tu pas étranger aux choses de Dieu? Gloire à Dieu. L'adoration, la célébration, et on vient reçoir Seigneur. Mais pas recevoir quoi de toi? Tu n'as aucun lien, aucune expérience véritable avec lui. Laisse la parole transpercer ton cœur. Si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. C'est ça l'évangile qui permet au vrai Saint-Esprit, parce qu'il y en a le faux maintenant. Que le Saint-Esprit qui vient de Dieu façonne ta destinée au nom de Jésus. Que l'Esprit t'aide à avoir un témoignage véritable sur cette terre. J'ai ma main droite levée et je déclare sur la vie de toutes ces personnes qui veulent vivre cette expérience à travers les eaux du baptême, à travers l'œuvre du sang, à travers l'œuvre de l'esprit, que le Seigneur vous accorde un témoignage agréable et succulent avant la fin de cette année au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu illumine votre vie et votre destinée et vous fasse introduire dans le bonheur au nom de Jésus. Que l'esprit rende témoignage dans ta vie. Dis avec moi, Esprit de Dieu, rends témoignage de ma vie. Au nom de Jésus. Je termine pour te dire ceci, ouvre les yeux.
avant d'impresser, on allait leur témoigner avec Dieu, on veut faire savoir ce que Dieu a fait pour nous. C'est pas ça. Le Saint-Esprit ne peut pas te conduire à être indiscipliné et impoli envers le pasteur. Voilà la partie qui énerve les gens et puis qui les délivre. C'est-à-dire, quand tu commences à leur dire ce qui est vrai, ce qui peut les aider, non, ça vraiment, tu sais, là, là, en tout cas, il a touché mon cœur. En tout cas, il m'a choqué avec la parole. Je suis frustré, je suis abattu, mon frère. Est-ce que tu aimes la vérité de la parole de Dieu? Dis à ton mari, le Saint-Esprit ne peut pas être en toi. Et tu vas manquer d'égard à l'autorité de Dieu. Je suis en train de parler à propos des chrétiens chocos, les chrétiens chocottes ici. À l'église, quand on arrive, c'est bon, on est tiré la tête aux pieds. Mais quand le pasteur m'a dit un, on a dit mille. Il y en a même parfois qui demandent à ce qu'on cotise pour rembourser ce qu'ils ont fait comme offrande depuis le départ, avant qu'ils quittent l'église. Et puis ils ajoutent, envoie-moi ça à la maison. Vraiment, le travail du pasteur est difficile. Souvent, je regarde Dieu au ciel et je dis, Seigneur, toi-même, tu sais que je t'avais dit que je ne voulais pas faire ce travail. Mais tu m'as conforté, tu m'as dit, je ferai de toi un instrument pour la gloire de mon nom. Servir Dieu, c'est porter les fardeaux du sacrifice. Paul a dit, injurier, nous bénissons. Je vais dire quelque chose de très fort. S'il y a un serviteur et une servante de Dieu ici, retiens ceci. En Afrique, nous avons une mauvaise mentalité. Les pasteurs ne doivent pas être comme les féticheurs. Si quelqu'un a mal fait dans ta vie, tu n'as pas besoin de couper la bouche pour maudire la personne. À qui je parle? Amen. À qui je prêche? Amen. À qui j'annonce? Amen. Si quelqu'un à qui je parle, tu dis parle. À qui je parle? À qui je prêche? À qui j'annonce? Trop de pasteurs aiment fermer le ciel sur la vie des gens. Ça va te donner quoi? Satan lui-même travaille déjà à fermer le ciel sur la vie des gens. Toi, tu es venu en Jésus, encore tu veux fermer. Aïe! L'homme est ce qu'il est. L'homme peut manquer de garde. Jésus n'a pas attendu que Pierre soit quelqu'un de parfaitement converti avant de l'appeler apôtre. Yes. Il a appelé l'apôtre et puis après le gars l'a trahi. Il y a un autre apôtre même qui l'a vendu le gars. L'apôtre Judas, le vendeur, le kenneur. Ouais. Donc Dieu qualifie quelqu'un parce que Dieu regarde à ta possibilité, à l'éventuel devenir de ta personne et non à ce que tu es aujourd'hui. Amen. Dieu préfère te valoriser plus que t'exposer. Dieu n'est pas celui-là qui veut t'atteindre et te frustrer et diminuer la valeur de ta vie. Non. Mais une fois qu'on est dans le processus, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Le Saint-Esprit vient rendre témoignage en s'exprimant dans ta vie à partir de ton expérience avec l'eau. Amen. Et le sang. Amen. Et la Bible a dit par la suite, et les trois sont d'accord. Ton expérience d'eau ne suffit pas. Ton expérience avec le sang de Jésus ne peut pas seulement sang de Jésus, non. Laisse ta vie être transformée. Si tu es passé dans les zones, normalement tu dois être propre. Tu ne dois plus encore avoir la saleté du péché, de la mauvaise nature. Tu ne dois plus parler mal. Tu ne dois plus être impoli, ça doit rester dans l'eau. Et le sang de Jésus doit bien nettoyer ta personne. Que tu sois une personne humble. Tu sois une personne aimable, respectable. J'en ai assez dit. Je crois que je vais m'arrêter là pour permettre bien sûr à tous ces groupes de pouvoir s'exprimer. Mais j'espère pour ma part, en tant que serviteur de Dieu, que le Seigneur a béni ta vie à partir de la parole que tu as reçue. Si tu as été béni par la parole, tiens-toi debout. Nous allons dire merci à Dieu. En 10 secondes, dis merci à Dieu pour la parole que tu as reçue. Oui, oui, oui. Thank you.
Seigneur, je t'invite par respect pour le Seigneur à te tenir debout. Et je vais prier pour te recommander à la grâce de Dieu afin que continue ce moment de célébration glorieux. Alors, même que je suis en train de laisser les prières au Dieu. Voici que l'Éternel ouvre les écrits de Dieu sur ta vie ce soir. Et en cette fin d'année, le Seigneur relâche ses plus belles bénédictions sur ta destinée au nom puissant de Jésus. Reçois les bénédictions qui viennent du ciel et qui confirment le témoignage de l'Esprit dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Que la faveur de Dieu coule dans ta vie et te distingue parmi tant d'autres au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te donne de sortir de ce programme avec un témoignage de l'Esprit. Amen. Non pas de ta bouche, mais de l'Esprit lui-même qui a la capacité de témoigner les œuvres de Dieu et de concrétiser la manifestation du règne de Dieu dans la vie de quiconque croit en lui. Que le Saint-Esprit agisse pour ta satisfaction totale au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi, car nous avons prié. Et l'Éternel également se souvient du groupe Angel's Voice est béni pour cette initiative engagée chaque semaine pour donner gloire au ressuscité. Qu'il en soit ainsi, car nous avons prié tous au nom de Jésus, dis avec trois fois. Amen. 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 Dieu acclame le Seigneur.